Bonjour, je m'appelle Adama Diallo, je suis le directeur de la communication et du marketing de l'Université virtuelle du Sénégal. Et très bien, je suis heureux que vous me posiez cette question parce que je considère que cette direction elle est très stratégique et très importante dans le dispositif de l'Université virtuelle du Sénégal. Et cette direction a pour mission principale donc de veiller à rendre l'image de cette université extrêmement belle et attrayante auprès aussi bien du public en interne que du public externe. Pour parler de notre travail au niveau de la DCM, il faut déjà savoir que nous sommes une direction qui est au service de tout le monde. Et nous pouvons être saisis par n'importe quelle structure de la maison pour nous demander de les accompagner sur une activité ou sur un projet. Alors, comment nous procédons? La première des choses, c'est que nous demandons à ces structures justement de renseigner un brief, qui est un outil extrêmement important qui nous permet de recenser évidemment les besoins du demandeur. Et maintenant, en interne, on se constitue en équipe. Et je peux vous dire que chaque agent de cette direction participe sur tout ce long processus du recueil du besoin jusqu'à la finalisation et la proposition du visuel ou en tout cas de ce que je pourrais appeler une donnée de sortie, tous les membres de l'équipe y participent. Et c'est un travail extrêmement enrichissant et intéressant. Vous comprendrez évidemment que la communication soit quelque chose de fondamental, surtout au niveau de notre institution. Déjà, j'ai eu à en parler. Nous sommes une université nouvelle, nous sommes une université innovante, nous sommes une université qui sort des chantiers battus. Donc la communication est fondamentale. Depuis l'existence de cette université en 2014 jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je suis en contact avec des gens, c'est qu'ils me disent, mais vous ne communiquez pas. Vous ne communiquez pas. Alors Dieu sait que nous communiquons beaucoup. Mais vous savez, communiquer, chacun a sa conception de ce que c'est la communication. Mais puisque nous sommes une institution, nous ne pouvons pas communiquer d'une certaine manière. Il faut que ce soit une communication bien structurée, bien ciblée, avec des objectifs précis. Et ça, je pense, depuis l'existence de cette université, nous allons année par année, nous mettons la communication qu'il faut. Et aujourd'hui, je pense honnêtement, quand je vois des étudiants se battre pour venir à l'UVS, aller jusque dans des organes de presse pour demander qu'on les aide pour qu'on puisse les accepter dans cette université, je pense quand même quelque part nous aurons réussi à faire une communication, je ne dirais pas bonne, mais une communication adaptée avec des impacts réels. Maintenant, il y a un autre volet dont on ne parle pas souvent, c'est le marketing. Dans les établissements d'enseignement public, le marketing, souvent, est le parent pauvre parce qu'on considère que nous n'avons pas besoin de faire du marketing. Quoi qu'il en soit, nous aurons des étudiants qui viendront parce qu'ils seront là, parce que l'État voudrait bien les avoir. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit aujourd'hui, pour toutes les universités, aussi bien privées que publiques, de mettre l'apprenant au centre du dispositif et de le considérer comme un client. En tout cas, nous, ici, au niveau de l'UVS, notre credo, c'est que l'étudiant est un client à qui on doit rendre service. Et ce service doit être fait de telle sorte que l'étudiant soit extrêmement heureux d'être dans cette université. Et c'est ça qui fait que la communication et le marketing chez nous, particulièrement le marketing, est fondamental. En fait, si je devais me résumer en vraiment un défi pour moi aujourd'hui, l'université virtuelle est arrivée à un moment de son histoire où elle doit s'ouvrir au monde et à l'extérieur. Et je peux vous dire une chose, cette pandémie dont tout le monde parle est quand même quelque part, je ne peux pas dire salutaire, mais quand même bien pour l'UVS, parce qu'au moins, ça nous a permis de régler un de nos plus grands problèmes, c'était comment amener tous les Sénégalais à adhérer à cette nouvelle université qui proposait un enseignement à distance. Aujourd'hui, quand on voit que partout dans toutes les universités de ce pays et à travers le monde, tout le monde est dans l'enseignement à distance. Ça, déjà, c'est quelque chose de gagné. Alors, comment maintenant communiquer sur 2021 pour que les parents dont les enfants sont orientés dans nos universités, dans notre université particulièrement l'UVS, sachent que
leur enfant a fait le bon choix, le choix adapté non seulement à leur époque, mais aussi qui peut leur offrir les plus belles perspectives de carrière, comme l'aurait permis l'université publique ou les universités américaines ou les européennes. Un métier très très intéressant et qui nous vaut d'ailleurs un placement extrêmement intéressant parce qu'au Sénégal aujourd'hui nous faisons partie des sites web les plus visités au niveau national. Et ça nous le devons justement comme des métiers que je souhaite vous présenter qui est justement un métier de webmaster designer qui est un travail extrêmement intéressant avec une mission très claire, c'est de gérer évidemment le site web institutionnel, de veiller à sa maintenance et surtout à sa mise à jour. Donc vous comprendrez que c'est un métier extrêmement technique, mais très créatif.